الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نحن في كتاب صريح البيان صحيفة 424، on est dans le livre صريح البيان على page 424. كنا ذكرنا أنه يحرم بيع العنب لمن يريده خمرا، يحرم بيع السلاح لمن يريد أن يقتل به إنسانا ظلما. Alors on a dit que c'est interdit de vendre le raisin pour celui qui va faire de l'alcool avec, et on sait, et on sait. Ou quelqu'un il veut avoir du poison ou un arme pour tuer quelqu'un injustement. Alors c'est interdit de vendre ça. Pourquoi? Parce que tu l'as aidé à faire un péché. Encore parmi les choses interdites et graves dans la croyance, le fait d'aider à construire un endroit où on adore autre que Dieu. لا يجوز أن تساعد على بناء معبد يعبد فيه الشمس أو القمر أو صنم أو إنسان أو حجر. Tu n'as pas le droit d'aider à construire un temple où on adore le soleil ou la lune ou un être humain ou un idole. Ainsi de suite. فلعان على الكفر كفر. Aider une personne à faire un péché, c'est un péché. Aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. ومما يحرم الإعانة عليه أن يعين شخصا على الكفر. فالأبوان الكافران لا يجوز أن يعينهما على الكفر. فإن حملهما إلى مكان يعبد فيه غير الله، وصلهما ليعبدان غير الله، فلعان على الكفر كفر. Alors si la personne à des parents non musulmans, voilà mes clients, et ils veulent aller à leur temple pour adorer un statue ou adorer autre que Dieu, et lui il les a amenés pour faire ça. Alors c'est de la mécréance parce que tu as aidé à faire de la mécréance. ولو كانت يعني نحكي عن الأبوين أو إنسان آخر، qu'ils soient tes parents, qu'ils soient autres. Et eux, ils ont une autre religion, ils adorent autre que Dieu, tu ne peux pas les aider à faire cette adoration. Maintenant, si quelqu'un te demande d'acheter le tumthal, parce que je بعبد هذا التمثال, ما بيجوز تشتري. الإعانة على الكفر كفر. ولا تحمل له ولا تحمله له. Si quelqu'un dit, ouais, moi je suis idolâtre, il y a tel idole que j'adore. Tu peux me le porter, tu peux me l'acheter. Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Parce que aider à faire une mécréance, c'est de la mécréance. وقد قال الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها إن المساعدة على الكفر لأي شخص كان كفر أو كفر. Ils ont dit les فقهاء parmi les quatre écoles que aider une personne à faire la mécréance, n'importe quelle personne, c'est de la mécréance. فمن استحل ذلك فقد صادم القرآن قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Celui qui dit non on peut aider, voilà c'est lui qui a me demandé, moi je l'ai aidé seulement, et tu as contredit le Coran. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ne vous entredez pas dans la désobéissance et l'injustice. ففي هذا يعني هذا معارض لشريعة الإسلام ومصادم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه للخمارة فقد تقحم النار على بصيرة. Celui qui a réservé le raisin, il l'a bloqué pour vendre après à la fermentation pour quelqu'un qui fabrique l'alcool. Ah, et là, celui-là, il s'est jeté à l'enfer avec toute explicité. فإن قال قائل إن الكفار غير مكلفين بالفروع فيقال له قال صاحب جمع الجوامع هي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإصفاريني وأكثر حنفية مطلقا. يعني si quelqu'un nous dit mais les kuffar ils sont pas ordonnés de faire les pratiques détails. هو لا يقال لا يقال للكافر وهو على الكفر صلي وصوم، ما هيك؟ بالأوامر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. On dit pas pour le non-musulman que oui, tu pries, tu jeûnes, tu vas au hajj parce qu'il est mécréant, ce n'est pas valable. Alors ils sont pas chargés
de faire cela en étant mécréant. Mais le jour du jugement, ils vont être questionnés sur ça, parce que lorsqu'il a négligé l'islam, il a négligé ces choses. هو ليس مكلفا يعني لا يطلب منه لا يطلب منه الآن فعل الأوامر لأنه على الكفر ولكن يسأل يوم القيامة على تركها لأنه لما ضيع الإسلام ضيعها قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فإذا قالوا لم نكن من المصلين يعني معناه لم نكن مؤمنين نصلي. Alors, les non-croyants, lorsqu'ils ont négligé l'islam, ils ont négligé les autres obligations. C'est pour cela, le jour du jugement, ils seront questionnés, jugés sur le fait qu'ils ont mécru et sur le fait qu'ils n'ont pas prié, qu'ils n'ont pas jeûné, qu'ils n'ont pas donné la zakat, parce qu'ils ont tout perdu avec l'islam. ضيعوا الإسلام وضيعوا الواجبات فيسألون عنها كلها فيسألون عنها كلها. هلا فلذلك نقول عند الشافعية الكفار مخاطبون بالفروع. الشافعية ils disent que les non-croyants seront questionnés le jour du jugement, seront questionnés sur les détails, les pratiques, sur les pratiques ils seront questionnés. وعند الحنفية الكفار مخاطبون بالنواهي غير مكلفين بالأوامر. Alors الحنفية ils disent les kuffars sont concernés par toute chose interdite. Interdit la fornication, interdit l'alcool, la viande du cochon. C'est interdit sur eux. Et ils seront questionnés. Mais ils ne sont pas chargés de faire les obligations en n'étant pas musulmans. Non. عند الحنفية مكلفون بإيش؟ بالنواهي. أنه يحرم عليكم الزنا، يحرم عليكم اللواط، يحرم عليكم الربا. يحرم عليكم الخمر يحرم عليكم اللحم الخنزير يحرم عليكم هذه الأشياء مكلفون بالنواهي لكن غير مكلفون بالأوامر ما دام هو من مسلم كيف بدك تقول له صلي لا تقول له صوم لا تقول له زكي لا تقول له الحج يعني ليسوا مكلفين بالأوامر مكلفين بالنواهي لما قال الشافعية مكلفين بالأوامر والنواهي يعني يوم القيامة يسألون على تركها الشافعية يزندي Ils seront concernés par les ordres et les interdits. Ça veut dire le jour du jugement, ils seront questionnés sur tout ça. Pourquoi les ordres ils sont... Parce qu'ils ont négligé l'islam et par la suite, le reste, ils l'ont perdu lorsqu'ils ont perdu l'islam. Alors, ils seront questionnés sur toutes ces choses-là. Tandis que les Hanafis disent qu'ils sont concernés par les choses interdites, mais ils ne sont pas concernés par les choses obligatoires parce qu'en étant mécréants, on va leur dire quoi? Actuellement, il faut qu'ils embrassent tout d'abord l'islam. Certains ont dit que les non-croyants, ils sont ordonnés de croire, ils ne sont pas concernés par les choses interdites, mais ils sont concernés par la croyance. إذن قال صاحب جمع الجوامع وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع يعني المسألة أنه مفروضة فيما إذا قلنا il parle d'une question que cette question a eu lieu si on dit que le mécréant il est concerné par les pratiques والصحيح وقوعه يعني نعم أنه الكافر مخاطب بالفروع يوم القيامة يسأل عنه هذا معناه مخاطب يعني يسأل يوم القيامة Le non-croyant sera questionné le jour du jugement. C'est ça la vie juste. خلافاً لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية. يعني الإسفرايني parmi الشافعية et beaucoup parmi الحنفية, ils ont dit non. Ils ne sont pas concernés par les pratiques. Mais nous, on a dit que beaucoup de الشافعية, ils ont dit, ils sont concernés, les non-croyants sont concernés par les détails, que ce soit obligatoire, que ce soit interdit. Les deux choses sont concernées, ça veut dire dans le jour du jugement, seront questionnés sur toutes ces choses-là. Le kafir, le jour du jugement, pas juste yus'al 'an al-kufr, yus'al 'an as-salat wa as-siyam, li'annahu dayya'a al-islam, fa dayya'a tilka al-fara'id. وبالتالي إذا زنى وأكل الربا وعمل السحر وكذلك يسأل عنها.
Ah, le nom coréen, on sera questionné le jour du mensonge sur la mécréance, sur le fait qu'il a délaissé les obligations parce qu'il a délaissé l'islam et par la suite il a délaissé les autres choses. Et sur le fait qu'il a fait les péchés, par exemple la fornication, l'alcool, la viande non halal, il a mangé, voilà, tout acte haram qu'il a fait, il sera concerné et le jour du jugement sera jugé, il sera dans les plateaux de Sayyad, les péchés, il sera avec les péchés. ما يكوز واحد مثلا كافر بس وبيعمل وبيزني وبيعمل لواط وكذا فبيكون ذنوبه أكثر يعني سي إليا أم كريان سولمون إليا أم كريان كي في لا فورنيكاسيون كي في لوزور كي في السحر كي في كي مانج لا فيوند نون حلال كي فيون بوا الكول كي كونسوم لو دروغ alors ses péchés sont plus celui-là parce qu'il a fait plus de péchés plus que la mécréance. عمل على الكفر زيادة في المعاصي فيسأل عنها يوم القيامة. فإذا ولقوم في الأوامر فقط يعني بعضهم يقول أنه كما قلنا أنه بعض الحنفية بيقول المكلفون بالأوامر ليسوا مكلفين بالأوامر مكلفين بالنواهي هذه ذكرناها. On dit que certains حنفية ils disent que les non-croyants ils ne sont pas concernés par les obligations, les choses obligatoires, mais ils sont concernés par les choses interdites. طيب. وللآخرين فيما عدا المرتد أن المرتد l'apostat, celui qui était musulman, il a apostasié, que celui-là, il est concerné. من بعد, يعني, après un moment de 2 ans, 3 ans de mécréance pendant l'apostasie, Shafi'iyya, ils disent, par exemple, il doit refaire il doit faire la prière, il doit faire le jeûne, il doit payer la zakat. Et si واحد ارتد عن الاسلام فتره اذا ارتد عن الاسلام سنه وسنتين وثلاثه بيقضي الصلاه وبيقضي الصيام بهذه المده عند الشافعيه. Si il a apostasie pendant une année, 2 ans, 3 ans, alors il faut refaire la prière dans ces années, il faut refaire le jeûne bien sûr. قال الشارح الفقيه الأصولي الزركشي ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي وخالف الحنفية وساعدهم الشيخ أبو حامد الإصفرايني منا هذا اللي ذكرناه أما الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا مخاطبون بالأوامر والنواهي alors les trois imams شافعي مالك أحمد ont dit que les kuffars sont ordonnés sont responsables pour les choses dans la pratique là que soient les interdits ou les obligations, dans le sens ils seront questionnés le jour du jugement. Les Hanafiya, on a déjà détaillé. Les Hanafiya, ils ont dit, pour les ordres, non, mais pour les interdits, ils sont concernés. Pour les interdits, ils sont concernés. Ou l'Isfaraïni, parmi Shafi'iya, il était d'accord avec les Hanafiya sur cette question. Ou hakaou l'Ustad Abu Ishaq, fi usuli, qawla l'Shafi'i, Abu Ishaq, il a rapporté que Shafi'i il a un avis comme ça. والثالث أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر لإمكان الانتهاء مع الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة ونقله صاحب الباب. C'est la deuxième avis parce que le premier avis qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas, c'est pas, ils ne sont pas chargés dans les pratiques et un autre avis chez Hanafi ils disent les obligations non, mais les interdits oui, parce que les interdits ils peuvent les délaisser. Tandis que les obligations c'est une obéissance et pour l'obéissance on a besoin de l'intention et ils sont pas musulmans alors ça, leur intention n'est pas valable. بالنسبة للأوامر هي قربة والقربة لا تصح من الكافر. أما النواهي في يتركها الكافر في يترك الزنا ما تحتاج إلى نية يعني فبالتالي هم مسؤولون عنه. نقله صاحب كتاب اللباب من الحنفية عن أصحابهم وأغرب الشيخ صدر الدين ابن الوكيل هذا الشيخ صدر الدين ابن الوكيل شافعي في كتاب النظائر فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذه المذاهب وتابعه العلائي في القواعد وهذا لا يعرف بل قال الشيخ أبو حامد الإصفرايني في كتابه في الأصول وصاحبها البندنيجي في باب قسم الصدقات من تعليق أن الخلاف في تكليف بالأوامر وأما المعاصي فمنهيون عليها عنها بلا خلاف بين المسلمين. طيب
هلا صاحب كتاب النظائر قلنا دي صدر الدين ابن الوكيل كلكان كي سابيل صدر الدين ابن الوكيل الى ان ليفر كي سابلي النظائر il a rapporté de certains le contraire de ce qu'on vient de dire et العلائي il a cherché à ce qu'il a dit il n'était pas d'accord avec lui il a dit ça c'est pas une chose qu'on connaît dans notre école mais il a dit Abu Hamid al-Isfarayni c'est un Shafi'i Abu Hamid al-Isfarayni il a dit إن الخلاف في تكليفهم بالأوامر. إلى دي est-ce qu'ils sont chargés par les obligations? C'est là où il y a une divergence parce que comment ils vont être questionnés ou chargés? Ils sont pas musulmans, ils peuvent la prière n'est pas valable de la zakat, le hajj, le c'est pas valable de. Alors il a dit là où il y a une divergence. Tandis que pour les péchés, alors ils sont concernés, c'est interdit sur eux de faire le péché sans divergence. C'est interdit sur eux de faire le haram sans divergence. Al-zina haram alayna wa alayhim. Al-khamr, al-khanzir. La fornication interdit sur nous, interdit sur les non-musulmans. L'alcool interdit sur nous, interdit sur les non-musulmans. Le cochon, la viande non halal, c'est interdit sur nous, c'est interdit sur eux. Moi, je travaille à la ferme tout le temps, je tue les cochons. Est-ce que. Tu donnes à manger pour les cochons? Je tue. Ah, tu tues? Ah, tu travailles dans l'abattoir? Oui. Et tu égorges les. Tu tues les cochons pour manger après les. Après les crayons, si la mi-couteau qui sont utilisés, la mi-couteau pour les crayons, parfois ils sont achetés ici. Non, aider à manger le porc, ça c'est haram, il n'y a pas de divergence. Et moi je ne sais pas, seulement j'ai tissu et là. Mais tu aides à tuer les cochons pour après les amener à la boucherie et manger. Ils vendent ça. Travailler dans ça, c'est haram, c'est interdit. Ça, on ne peut pas faire. Je fais quoi? Tu cherches du travail halal, non? Voilà la parole de Zarkashi est terminée dans son livre Tashnif al-Masamir. فانظر إلى قوله وأما المعاصي فينهون عنها بلا خلاف بين المسلمين إسفارين إلى دي les péchés alors on les sont interdits c'est interdit sur eux sans divergence entre les musulmans فهذا نقل يفهمنا على أن الإجماع على ذلك cette parole nous dit qu'il y a l'unanimité que les non-musulmans ils sont concernés par les choses interdites c'est-à-dire l'alcool, la viande de cochon, la viande non halal, la fornication, c'est interdit sur les non-musulmans comme c'est interdit sur les musulmans. Tu vas pas dire eux, oui, eux ils mangent alors non, mais c'est interdit, interdit pour tout le monde. وما عزي الى العتي الى العتبية عن مالك مما يخالف هذا ليس معتبرا. Ceux qui rapportent d'autres choses dans le livre Al-Utbiya de l'imam Malik, on ne peut pas la prendre en considération. وقد قال بعض العلماء وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. Si il y a une divergence mais qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'argument, il n'est pas pris en considération. Pour que la divergence sera prise en considération, il faut avoir un argument, il faut avoir quelque chose sur laquelle ce savant s'est appuyé et il a dit ce qu'il a dit en se référant à un effort qui est juste, qui est valable. Ne laisse كل واحد قال قول بصير صحيح وبصير فينا نغطي إلا القول الذي له دليل له اجتهاد معتبر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم